Onze maatschappij en economie worden vandaag getypeerd door een aantal globale trends. Zo zien we bijvoorbeeld wereldwijd een nieuwe consument verschijnen. De consument van het jaar 2020 is mondiger, veel eisender en mobieler dan ooit. C'est quelqu'un d'ultra connecté qui est très informé. Comme il est très informé et ultra connecté, c'est quelqu'un d'exigeant. Il recherche des produits de haute qualité à un prix intéressant. Le rapport qualité-prix est clé pour ce consommateur 2020. C'est aussi quelqu'un qui est très mobile. Il faut que les entreprises puissent l'adresser dans cette mobilité. Voor heel wat bedrijven die zich tot consumenten richten, betekent dit een fundamentele omschakeling in hun relatie met de klant. Wie succesvol wil zijn, moet de nieuwe consument weten aan te spreken. Les entreprises qui auront du succès dans le futur seront celles qui vont savoir développer de bons produits au bon prix et qui sauront aussi développer des stratégies de marque qui savent parler aux consommateurs, qui savent développer, rassurer le consommateur et développer les valeurs qui tiennent à cœur du consommateur. De experts van Gimf zijn van mening dat er een zeer grote uitdaging ligt bij het management van die bedrijven. Les dirigeants des entreprises qui s'adressent aux consommateurs 2020 sont des gens qui doivent être très créatifs, très innovants. Ce sont des gens qui doivent avoir l'ADN marketing, c'est-à-dire ils doivent bien capter le marché, bien comprendre le besoin et l'exigence de ce nouveau consommateur. C'est des gens qui doivent être capables même de parfois se réinventer. Donc une largeur d'esprit qui est nouvelle. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat inspeelt op de nieuwe consument is het Franse Made in Design. In 12 jaar tijd groeide het uit tot een toonaangevende Europese webshop voor designartikelen. Made in Design est un site e-commerce consacré à la création design, c'est-à-dire que nous vendons par internet du mobilier, du luminaire et des objets de déco. C'est un site qui propose des produits de créateurs, des plus grandes marques de design. Pour vous donner un ordre d'idée, Made in Design aujourd'hui, c'est 30 000 références qui sont proposées sur notre site. Ça représente 300 marques et plus de 3 000 designers. Het succes van Made in Design ligt niet alleen in het ruime aanbod van kwalitatieve producten, maar vooral in zijn uitgebreide productinformatie en extra dienstverlening. Mais vous achetez ce produit, vous savez pas vraiment vous l'achetez ce produit, vous savez pas vraiment si cela va convenir dans votre intérieur et vous avez besoin d'être accompagné. Donc là, vous allez être accompagné d'un personnel shopper ou d'un conseiller, mais on va encore plus loin, c'est je veux comprendre exactement ce que ça va donner chez moi et j'ai besoin d'imaginer ce produit dans mon intérieur. Et Made in Design a été un des premiers sites à proposer des solutions de réalité augmentée qui permettent tout simplement de simuler sa déco et d'intégrer dans son intérieur les produits en trois dimensions. De komende 5 jaar kijkt Made in Design voor verdere groei ook buiten Europa. Het ziet heel wat kansen in Azië, waar de opkomende middenklasse steeds meer belangstelling heeft voor designproducten. Om die ambitieuze strategie te realiseren, rekent het internetbedrijf ook op de steun van zijn aandeelhouder Gimf. Gimf nous accompagne dans toutes les phases de l'évolution et de la vie de l'entreprise, aussi bien au quotidien. Donc pour exemple, ça peut être de nous aider à trouver les meilleurs prestataires sur un thème donné, mais c'est aussi de nous accompagner dans la réflexion stratégique du développement de l'entreprise, comme par exemple Gimf nous aide actuellement dans notre réflexion au sujet de la conquête du marché asiatique.